Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des 15 minutes avec vous en 15 minutes. Rentrons dans l'univers de notre nouvelle invitée du jour. Elle s'appelle Dorcas Shalom. C'est une artiste chanteuse mais aussi slameuse. Elle nous fait en tout cas l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur les plateaux des 15 minutes avec. Et je rappelle qu'elle est gagnante de la 8e édition du prestigieux concours Talent d'Afrique, ici du côté des Montréal. Alors avec elle, on va un peu parler de son parcours, mais aussi de ses ambitions par rapport à son art. Alors, Toleka. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... Wow. Bonjour Dorcas, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Rapidement d'entrée comme ça, si tu devais te présenter à toutes ces personnes qui te découvrent pour la première fois. Ouh. C'est toujours, ça fait toujours un peu bizarre de parler de soi, mais si je devrais me décrire, je dirais que je suis l'original que le monde n'aura pas deux fois, tout simplement. Okay. C'est une phrase que je dis souvent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme tous les autres artistes. J'ai un univers assez vaste et assez précis aussi, et je sais, je crois que ce que j'ai au fond de moi, le monde en a besoin. Donc, je suis une chanteuse, comme on vient de le dire. Je suis une slameuse et je suis fièrement aussi chrétienne. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, une présentation assez brève, directe. Moi, j'aime en tout cas cette authenticité, si je dois l'appeler comme ça. C'est des choses aujourd'hui qu'on voit rarement dans l'industrie musicale, si je dois les dire comme ça. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est quoi un peu les parcours de la personne, mais aussi de l'artiste, avant d'arriver au produit, si je dois le dire comme ça, qu'on a aujourd'hui devant nous? Un parcours assez en montagne russe. Pourquoi? Parce que très jeune, j'ai eu la passion de la musique, sinon de la chanson. Et j'ai commencé à faire des covers, j'ai commencé à reprendre des chansons que j'aimais bien, des chansons avec lesquelles j'avais grandi. Et par ces covers-là que j'avais produits depuis ma petite chambre, il y a un bon nombre de personnes qui m'ont découvert. Et après ça, j'ai fait un break, comme on le dit, pour me chercher, parce que je savais aussi que j'avais d'autres dons à l'intérieur de moi, mais je ne savais pas encore comment les exploiter. Exactement. Donc, j'ai pris un recul, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, ça m'a permis de découvrir après le slam que je fais aujourd'hui et de le présenter également aussi au monde et de faire un mix entre les deux. Donc voilà, c'est une jeune artiste qui a commencé par des covers et qui aujourd'hui se sent fortement investie d'explorer, voilà, de présenter au monde tout ce qu'elle a en elle et non seulement la chanson. Voilà. Voilà, non seulement la chanson, c'est quand même important que tu le mentionnes et tout, slameuse et puis chanteuse et par-dessus tout, c'est cette identité chrétienne que tu brandis fièrement. Yes. C'est très important. Moi, je te félicite pour ça. Et il y a aussi une chose, quand j'ai préparé quand même l'interview, lors de ta victoire au Talent d'Afrique, 8e édition, que voilà, j'ai parlé de ça il y a quelques minutes, il y a une phrase qui a captivé mon attention et que tu disais, je cite, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais et tout. C'est quoi, au fait, cette, l'essence, au fait, même de cette phrase? Est-ce que c'est dû par rapport à votre parcours ou bien c'est tout simplement, voilà, tout le monde peut le dire aujourd'hui, des slogans et tout, un cliché si on peut le dire comme ça? Non, ce n'est pas une phrase de slogan, parce que moi-même je suis
je suis la phrase en fait que j'ai dite. Ne lâchez pas parce que je suis passée par beaucoup d'étapes. J'ai eu beaucoup d'épreuves aussi pour après découvrir mon identité, affirmer mon identité et par cette identité que j'ai découler en fait faire découler tout ce que j'ai comme talent au fond de moi. Donc vraiment ne lâchez pas. Et lors de la finale Talent d'Afrique, le slam que j'ai déclamé devant tout le monde, c'était moi-même ma propre histoire. Ce n'était pas juste être là, juste pour être là. Et je disais à tous ceux qui étaient là, vous avez des talents en vous, allez les chercher, trouvez-les, travaillez-les et produisez des richesses. Parce que je trouve que le talent n'est pas juste un talent, mais c'est une richesse. Et une richesse culturelle, une richesse de sagesse et bien d'autres. Donc vraiment, c'était une phrase vraiment qui venait du plus profond de mon cœur, quoi. Ne lâchez pas parce que je n'ai pas lâché. Et si j'ai été capable de le faire, je crois que d'autres aussi peuvent le faire. Voilà. Très bon message pour les artistes, pour les personnes, les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment. Nous sommes avec Dorcas Shalom. On découvre un peu son univers et c'est la logique dans cette émission des 15 minutes avec sur la chaîne Debo Kota TV. Mais rapidement aussi, parle-moi un peu. Je vois que tu fais quand même beaucoup de covers, tu rencontres beaucoup d'artistes et si j'ose croire aussi, tu organises des sessions d'écriture, c'est ça? Ou pas encore? Pas encore, mais c'est en route. C'est en route. C'est en route, c'est en route. C'est beaucoup de choses sont en route. Soyez à l'affût. Voilà, soyez à l'affût. Mais par rapport à la musique aujourd'hui, en général, quels sont tes projets? Est-ce qu'il y a des chansons qui existent déjà? Est-ce que tu es signé? Comment tu vois ça, en fait? Pour le moment, il y a déjà des projets qui ont été enregistrés, qui vous seront présentés très bientôt. Donc, sous un label ou... Non, pas encore, mais très bientôt, je le crois, on croise les doigts. Ouais, est-ce qu'il y aura de collaboration? L'autre fois, j'ai vu votre photo avec Fiston Bouy, qui est de mon pays, du Congo. Oui, bien sûr. coucou aux Congolais, en passant. Merci beaucoup. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est un aîné à moi et que je suis depuis qu'il a commencé. Et c'était une belle expérience d'être derrière l'artiste, c'est-à-dire derrière en coulisses, et parce que je faisais aussi dans la promotion d'artistes. Oui. Et de se retrouver là, avec lui, sur scène, partager, avoir une place, et j'ai vraiment trouvé ça m'a vraiment touchée, vraiment. Et c'était un très, très beau concert auquel j'ai pu participer, et j'ai pu présenter également aussi un slam, et que les gens ont découvert, et ça faisait aussi nouveau dans le monde... non seulement dans le monde artistique africain, mais aussi chrétien. Donc voilà, c'était un peu ça. Ouais, c'était un peu ça. Et si je dois rentrer dans l'univers chrétien et tout, aujourd'hui, l'industrie est quand même assez vaste et tout. Et dans le monde gospel, si je dois l'appeler ainsi, on sent quand même une certaine évolution. Aujourd'hui, on parle par exemple du Congo, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la France avec des concours majeurs. Les réseaux sociaux, ça va quand même assez vite. Qu'est-ce que toi, tu trouves d'intéressant aujourd'hui dans cette niche, si je dois les qualifier ainsi? Et comment tu te positionnes en tant qu'artiste? Je me positionne en tant qu'artiste qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, original. Pourquoi? Parce que je vais présenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de présenter dans le monde chrétien. Faire un mariage entre plusieurs univers artistiques, parce que je trouve que c'est important. Et de pouvoir aller chercher chaque personne avec son univers qu'il comprend. Voilà. Et je me positionne aussi en tant qu'artiste en herbe, voilà, qui observe, qui apprend des erreurs des autres et qui, avec ces erreurs-là, essaye de faire mieux, voilà, si on peut le dire comme ça, et de ne pas tomber dans les mêmes fossés que les autres. Et voilà, je pense que c'est un bel univers, c'est une très, très belle niche qui demande à ce que les gens osent. Voilà, que les jeunes osent, que les chrétiens osent et qu'ils,
qu'il prône, voilà, ce message qui est Christ, et de manière très diversifiée. Et je pense que le Dieu, en tout cas, que moi je sers, est un Dieu de la diversité, est un Dieu des talents. C'est lui qui nous les a donnés. Et c'est lui, en fait, qu'on met en avant. Et je pense qu'on a tellement de potentiel sur lesquels on dort. Et je pense qu'avec ce que je vais présenter, ça va pousser. En tout cas, c'est ma prière, c'est mon désir, que ça pousse les gens à voir Dieu autrement. Voilà. Voilà, à voir Dieu autrement, à voir Dieu grand, à voir Dieu de manière majestueuse, tout simplement. Et vraiment de donner le meilleur de moi, c'est ce que je peux dire. Wow, très beau message, très beau message. Merci beaucoup. Et je vais piquer un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la concurrence? C'est quand même beau les discours que tu viens. Comme on dit, c'est très beau sur papier, mais sur les terrains, c'est pas évident. C'est pas évident parce que au-delà de tout, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, on hérite aussi de cette richesse. Et à travers ce qu'on fait, tu parlais tantôt du don, des talents et tout, et qu'il faut aussi les rentabiliser pour par la suite aussi rendre l'appareil, comme on dit. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence aujourd'hui? Comment tu te positionnerais, toi, en tant qu'artiste? Quand vous parlez de concurrence, c'est concurrence dans le monde artistique. Musical, oui. Musical. Dans ta niche, ouais, si on doit rester dans ça. Très belle question. Très belle question qui demande réflexion. Prenez votre temps, en tout cas. Concurrence. Je pense que là, on va pas se mentir, la concurrence, elle est là. Et ça demande vraiment d'être assis dans son identité, non seulement d'enfant de Dieu, mais d'artiste, pour ne pas tomber dans la comparaison ou dans, on va dire quoi, le plagiat, bien qu'on peut s'inspirer des autres. Ouais. L'inspiration, elle est bonne, mais c'est de vraiment plagier sur l'autre, ne pas prendre le temps de s'asseoir, de travailler sur un projet qu'on a. Ça donne une mauvaise image, qu'on le veuille ou non, d'un artiste. Et ça donne aussi une mauvaise image de Dieu. Je pense qu'il est le maître de l'inspiration. Je pense aussi que la concurrence... Il y a son bon côté et son mauvais côté. Oui. Voilà, ça peut nous plonger vraiment dans un fossé de non-retour. C'est-à-dire, on va vraiment en concurrence et on se perd en tant qu'artiste. C'est-à-dire, tout ce que les autres font déteint sur nous. Et on ne sort pas du lot, on ne ressort pas la tête. Donc ça, c'est le mauvais côté de la concurrence. Mais le bon côté, c'est que ça nous pousse à donner le meilleur, à sortir le meilleur de nous. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Hein. On s'approche lentement, mais sûrement de cette émission. J'aurais voulu que ça soit plus long. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à aborder. Abonnez-vous, restez connectés sur votre chaîne Bokota TV, mais aussi sur votre émission 15 minutes avec, présentée par moi, Andy Longan. Et là, on va aborder une prochaine rubrique assez courte et tout. D'accord. Je vais vous poser une question. Ça s'appelle Punchline sur nous. Mm-hmm. Et vous me donnerez votre avis de manière très brève. D'accord. Moi, j'ai une citation ici. C'est quand même assez philosophique, mais j'aurais voulu quand même la décrypter de manière un peu plus profonde avec vous. En Dieu, se trouvent des solutions qui manquent des problèmes chez les humains. Est-ce que vous pouvez répéter ça? En Dieu, oui, se trouvent des solutions qui manquent des problèmes chez les humains. En Dieu se trouvent des solutions qui manquent des problèmes chez les humains. On peut faire ceci, on peut garder ça. Et après, je pense, avec l'équipe et tout, on vous accordera du temps pour essayer d'enregistrer ça peut-être à l'autre pièce et tout, pour essayer de répondre ça. Ok, voilà. Et là, on arrive à ce que j'appelle aujourd'hui les confessionnals. C'est-à-dire, ce sera des questions assez en profondeur que tu devras répondre de manière sincère, mais très, très, très courte. D'accord. C'est bon? Vous avez ma parole. Ok, parfait. Aujourd'hui, Dorcas, quelle serait ou quelle est ta plus grande peur dans la vie? Oh, ma plus grande peur...
c'est de me perdre en tant que personne et en tant qu'artiste, en tant qu'enfant de Dieu. Okay. Ton plus grand défaut, Dorcas ? Ah, la colère. Okay. La citation qui résume au mieux ta personnalité. L'original que le monde n'aura pas deux fois. Trois villes canadiennes que tu aimerais visiter. Je dirais... Trois villes. Oui. Est-ce que je peux plutôt citer des provinces? Des provinces aussi, oui, ça ne dérangerait pas. Oui. D'accord. J'aimerais bien le Manitoba. Okay. J'aimerais bien aussi Saskatchewan. Ok. Et le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Yes. Si tu devais choisir entre les mariages et la célébrité, tu choisirais quoi? Oh my God. C'est l'objectif, hein. C'est vraiment sincère. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Face caméra. Est-ce qu'on ne peut pas choisir? Parce que là, je ne sais pas. Voilà. Bon, on va sauter celle-là. Peut-être qu'on reviendra après sur ça. Et enfin, c'est quoi ton plat préféré? Chez les Ivoiriens, c'est foutou sauce graine. Chez moi, on dit foufou et azindesi. Okay. Voilà. Parfait. Et avant que tu donnes, c'est la logique dans cette émission, tu vas laisser un message au prochain invité. Mais il y a une invitée qui était là, qui t'avait laissé un message. On va l'écouter ensemble. Faire ce qu'il est en train de faire, continue. Et pour le prochain artiste, je dirais de continuer à faire ce qu'il est en train de faire, continuer à croire en ses rêves, de ne pas perdre en vue sa vision. Et même si ça sera dur, et même si les gens ou le monde ne voient pas ce que tu vois, ils vont finir par le voir si tu continues à te battre pour ça. Yes. Oh. Voilà. Merci, et je pense bien que c'est Foura. Ouais. Ouais, Foura, ouais. Je la connais et merci en tout cas. Je te salue au passage. Elle a raison. Voilà. Elle a raison et vraiment ça me touche. Voilà. Merci pour le message. Moi, comme message que je laisserai. Caméra, en tout cas. Oh, oui. Pardon. Le message que je laisserai au prochain artiste, c'est brille. Voilà. Ne te laisse pas bloquer par les ombres des autres. Brille, peu importe les saisons, peu importe les difficultés, ne t'arrête pas de briller, peu importe ta couleur, peu importe ton âge, brille tout simplement, voilà, et que rien ne t'arrête. Merci. Voilà, merci beaucoup Dorcas, c'était en tout cas un honneur pour nous de te recevoir sur ces plateaux. Plaisir pour moi. Et on va te suivre de près et faire notre travail en tant que média. Et juste pour finir, là, vu qu'on n'a pas l'instrumental, on les met d'habitude. Moi, je vais te donner un thème. Et si tu peux nous déclamer quelque chose, peut-être en 30 secondes. En tant qu'artiste. Et puis, voilà. Les thèmes, c'est la dépression. Voilà. Peut-être c'est un message qu'une personne aimerait entendre aujourd'hui. Merci et à la prochaine. D'accord. Dépression. Sous pression. À l'instant, face à mes comprimés, je suis en dépression. Et à cause de la pression, je dois ingurgiter, minute par minute, seconde par seconde, ces comprimés qui sont censés me donner un soulagement face à ma dépression. Et parce qu'il fait noir, j'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de voir. Parce que cette dépression m'a rendu aveugle. Elle m'a rendu sourd. Elle m'a rendu infirme. Et c'est ma maladie. Ce que j'ai du mal à dire, cette dépression, c'est par elle que se couvrent tous mes doutes, mes peurs et mes agissements. Et ces comprimés qui,
ont en eux ce petit goût de soulagement. Je le prends, mais je me rends compte que ce ne sont que des comprimés que j'imprime au fond de moi, mais qui, avec le temps, finissent par faire leur temps. Alors face à cette dépression, je lève la tête, je sors de l'eau et je vais à contre-courant. Face à cette dépression qui m'emmène à aller dans tous les sens, mais je sais juste que il y a quelqu'un quelque part qui donne un sens, un véritable sens au sens de ma vie, qui est l'essence de qui je suis. Et cette personne, c'est le comprimé de tous les comprimés, l'antidote de tous les antidotes, Dieu. Celui-là que j'ai trouvé devant ma porte, qui ne m'a pas regardé pour ce que le monde voyait, qui a vu un diamant à la place des cendres, Dieu. Celui-là qui m'a relevé de ma dépression, celui-là qui m'a relevé de mes doutes, celui-là qui m'a permis de traverser toutes les pressions, toutes les tempêtes, Dieu, celui-là que je présente, ma clé, ma capacité d'affronter, peu importe les saisons, chaque obstacle et chaque vent de dépression. Et il m'a aidé à souffler, il m'a aidé à retrouver le souffle. Et c'est par ce souffle que je vous parle aujourd'hui, que la dépression est un mur qu'on peut briser. Et cette force qui brise toutes les dépressions, moi je vous le présente, celui-là que je connais, qui m'a permis de brandir, de braver, pardon, toutes mes dépressions. Dieu, mon créateur, mon ami, mon confident. Dieu, celui-là que je mets face à toutes mes dépressions. Merci. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci.